Capgemini est aujourd'hui implanté dans plus de 50 pays. Mais c'est une vraie fierté pour nous d'être ici en Savoie, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui a vu naître le groupe Capgemini il y a maintenant plus de 50 ans. Nous avons déménagé depuis quelques mois dans ces nouveaux locaux, sur ce nouveau site, qui est situé sur le parc d'activité Savoie Technolac et qui est niché entre lac et montagne, un environnement privilégié. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce bâtiment, le pôle d'entrepreneuriat, puisque vous êtes voisin de l'incubateur, de l'accélérateur, et nous faisons le pari avec vous qu'il puisse y avoir une fertilisation croisée, que vous puissiez collaborer ensemble pour le bien-être et le développement du territoire. Il y a 25% des gens qui habitent au Bourget, dont la profession est implantée sur le site de Technolac. C'est un très beau site. Il donne envie et on est placé à un endroit qui est très stratégique. On est juste en face de l'université de Savoie-Mont-Blanc. Les étudiants nous voient et je pense que c'est un très bon avantage pour l'avenir Capgemini et le recrutement de jeunes talents. Je suis très fière d'avoir réalisé pour les services immobiliers de Capgemini ce nouveau bâtiment au Bourget du Lac que nous avons pensé comme une bulle de bien-être pour nos collaborateurs. Ça a vraiment changé notre façon de travailler, de communiquer. Je ne m'attendais pas à ce que les conditions de travail ou les locaux dans lesquels on travaille aient autant un impact sur les collaborateurs. C'est le jour et la nuit pour moi. On est vraiment rentré dans des locaux vraiment très fonctionnels, très design, où il fait bon vivre. Ce nouveau bâtiment sécurisé allie à la fois des espaces de travail formels, mais également des espaces informels, avec par exemple des bubbles, des salles de réunion, une salle de co-créativité, mais également un espace de coworking. On a pu remarquer que les espaces et les aménagements nouveaux sur ce site sont beaucoup utilisés, notamment dans les relations entre les collaborateurs et les managers. Je pense que ça facilite beaucoup les échanges. On est dans un établissement où les gens sont attachés à leur entreprise et leur site. On a une happiness team, comme on peut l'avoir sur d'autres sites, qui est très dynamique. Notre rôle en tant qu'happiness team, c'est de créer de la cohésion. Donc on va pouvoir se retrouver autour d'événements sportifs, des petits déjeuners organisés de manière mensuelle. On remarque que des équipes se mixent en fait et sortent ensemble, ou vont faire de l'escalade ensemble, ou vont faire du sport ensemble. On se rend bien compte que ces relations-là sont plus développées que sur l'ancien site. En synthèse, ce projet est une vraie réussite. Pour être quotidiennement sur site, je constate une vraie amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. Le fait d'avoir aménagé des espaces de vie et de convivialité a réellement participé à instaurer une ambiance de travail idéale. Maintenant, la balle est dans votre camp. Rejoignez-nous.